Alors, de mon point de vue, le principal enjeu qui va se dessiner en Europe dans les prochains mois, c'est la question de la notation des avocats. Pour une raison bien simple, c'est qu'il y a une directive qui est en préparation au niveau de la Commission, visant à, au fond, revoir la réglementation générale des professions réglementées. Et, comme vous le savez, ce qui justifie les privilèges qui sont accordés aux avocats, c'est le fait qu'il y ait une asymétrie d'information dans le marché, c'est-à-dire que vous êtes un consommateur de droit, vous allez vous tourner vers un avocat, mais finalement vous n'avez aucune information simple pour déterminer que cet avocat vous donne un service satisfaisant. Et en raison de cette situation, on a accordé un certain nombre de privilèges aux avocats, notamment d'être une profession autoréglementée, c'est-à-dire qui garantit une certaine qualité de service aux consommateurs de droit. Alors cette asymétrie d'information, au fond, dans une certaine mesure, la notation des avocats contribue à la réduire, puisqu'elle vient apporter une information éventuellement objective, parfois juste subjective, sur la qualité des prestations des avocats. Elle diminue donc l'asymétrie d'information et par conséquent, elle pourrait justifier qu'on diminue les privilèges dont bénéficie la profession, ce qui constitue évidemment un enjeu très important. Deuxième enjeu sans doute, et je m'arrêterai là, c'est de voir si le marché des legal tech parvient à arriver à maturité et à proposer des solutions complètes au-delà du discours de vendeur d'aspirateur, je veux dire, c'est-à-dire on vous propose de faire tout mais on le fait très vite et très mal. Si le marché va arriver à maturité en proposant des solutions qui permettent, par exemple en matière de compliance, donc de conformité pour les entreprises, faire des économies significatives sur le travail qui sont faites par les directions juridiques ou le département compliance. Donc je crois que ça, ce sont dans l'immédiat les deux enjeux, même si évidemment le développement des legal tech entraîne des questions plus générales sur la numérisation de la justice.